Oh là 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 là, ok le Mont-Saint-Michel, ok les autres départements, les 73-51 à tous. Salut Rémi, je m'entends. Eh sérieux, c'est du 58 là de mon côté, là, ici là sur le QTH, là, du coup à côté de Saint-Émilion au QRA. Hervé ? Ouais, ça va, j'ai compris, je vois qui tu es. D'accord, oui, je vois qui tu es, il n'y a pas de problème. Bah tiens, je suis en train de faire une petite vidéo, je viens juste démarrer à la seconde, là, Hervé, là, je suis en train de faire une petite vidéo. Ah, je suis ici, Hervé, là, ah, ouais, c'est que ça sur mon lieu, là. C'est ça qui est bon. Ah chi, au moins ça montre qu'il y a du monde. Tu vois, il y en a qui disent que sur les 40 canaux, sur le 19, tout ça, il n'y a personne. Bah, il suffit de tourner le bouton de volume, de le monter un petit peu, d'appuyer sur la pédale de micro, de cracher sa bafouille dedans, et puis voilà, la preuve, ça répond partout. Ouais, le Loir-et-Cher, la Bretagne, ça arrive de partout, là. J'ai compris que sociaux. Alors, je sais pas si tu parles de réseaux sociaux ou de cas sociaux. Ok, réseaux sociaux, ça marche. Putain, cette cacophonie, cette surmodulation qui a en nous en large à travers. Il y a un mobile. Côté Carcassonne, un mobile. Ah la vache. Oui, pour Dandy 33, je suis là, les bonnes 113-51 à vous. Voilà, depuis le QRA à côté de Saint-Émilion. Ok, la station, tout ça retourné de Dundee 33 à côté de Saint-Émilion. J'ai cru entendre Gilles derrière Vega 33, c'est bien ça aussi. Bonjour à lui. Hé, Vega 33, t'as pas honte, ils te passent tous dessus. Hein. Oui, pour lundi 33, les bons 73-51. 73 de Philippe, le centre Belgique. La Belgique, le centre Belgique, les 73-51, le centre Belgique du sud-ouest France à côté de Saint-Émilion. 73 de Philippe, bonne continuation, à la prochaine. Alors, sur le dernier passage, c'est du 57-58, ça passe très fort là de mon côté là. Ok, la station qui a la sortie de Carcassonne, ça passe très fort là, c'est du 58-59 si j'ai bien vu là. Ok, oui, le 05, les 73-51 de Dundee 33 à côté de Saint-Émilion, ça passe très bien. Saint-Émilion, mais qu'est-ce qui se passe?
campagne d'enfer. Eh oui, je suis entre Saint-Émilion et Castillon-la-Bataille. Voilà, ouais, oui, ça marche fort. Ça, oui, je confirme. J'ai entendu la Bretagne. Juste avant, j'ai le centre Belgique là qui est passé à 57-58 là ici, là sur le QTH. Ah oui, ça passe très fort. Hein. Là, c'est du très grand local là qu'on fait là. Gap, Golf, Alpha 05, Gap, ok, oui, département 05, oh, ça passe bien là aussi, de mon côté. Hein. Là, il y a de la surmodulation derrière, mais bon, là, aujourd'hui, c'est normal. Hein. Ok Robert, les Hauts-de-France, je pense, les 73-51 également de Dundee 33, opérateur Rémi. Voilà Robert, pour le prénom c'est Rémi. Ok Rémi, alors c'est le centre de la France là. Ah, le centre de la France, on va dire qu'a glissé sur le sud-ouest. Ah c'est... Non mais là c'est sûr que là ça arrive tout azimut. Hein. Il manque plus que les stations du côté est, du côté de Lyon, là, de ce côté-là, que j'ai entendu là il y a une ou deux semaines passées. Ouais c'est ça, oui. Là ça passait pas mal pour une fois de mon côté, mais bon, j'ai pas eu le temps de les prendre au micro. Et sinon là en ce moment c'est vrai qu'on fait les quatre coins, les huit coins de la France même. Ah ben là c'est sûr que ça va durer. Déjà bon point, on va vers l'été. Donc là, on est en pleine propagation estivale, on va dire. Et en plus de ça, quand on regarde de près le cycle solaire, là, on doit être, allez, on va dire, sur la troisième marche, peut-être, vers des fortes propagations. Oh oui, quelque chose comme ça, quoi. Oh, aïe, aïe, aïe. Là, je sais pas ce qui. Là, c'est parti en cacahuète de tous les côtés, là. D'accord, ok, ouais, il y a du monde là sur les autres modes, comme là je viens d'entendre de la moustache là en BLU. Là c'est pas étonnant que ça bouscule un petit peu plus qu'il ne faudrait là sur le canal. Même si déjà là il y a énormément de monde là en AM, mais certains se sont amusés à passer en BLU alors que ça sert strictement à rien. Nous on reste en AM là-dessus. Le canal 19, après tout, c'est le canal de la route, et il n'a jamais été utilisé dans les autres modes que l'AM, quoi. Non, c'est en FM, il y a du mal. Oui, aussi, oui, j'ai entendu ça aussi tout à l'heure, en FM. Et là, juste avant, là, c'était en BLU, pour le coup. Putain, c'est du 58, là, au cuir. Hein. Ouais, mais bon, il y a peut-être quelque chose qui pousse aussi là pour favoriser la propagation. Le 59 dans le département 35, waouh, là oui. Là, mais c'est vrai que là aujourd'hui, là, depuis quelques temps, là, on a une propagation assez excellente. Hein. Et je voyais hier soir, on était tous là au niveau du groupe Kilomike sur le canal 32 en USB.
Mais c'était la cacophonie totale. Hein. C'est ben, comme là, hein, c'est arrivé. Mais là, multiplié par 10, on va dire. C'est arrivé de tous les côtés. Là, tous ceux, ou presque tous ceux du groupe Kilo Mike se sont donné rendez-vous là sur le canal 32 en uniforme Sierra Bravo. Et là, ça a été le QSO a commencé vers un petit peu avant 18h. À 20h30, il y avait encore il y avait toujours autant de monde. Ah, j'ai entendu quelqu'un passer là, petit, la 73-51, la station de Dundee 33 à côté de Saint-Émilion. Je sais pas, j'ai pas compris là, le prénom, je sais pas si c'est Serge ou quelque chose comme ça, j'ai pas bien compris. Les 73-51, la station là, de Dundee 33 à côté de Saint-Émilion. Ok, la station des bonnes amitiés également, les 73-51 département 68 du département 33, Dundee 33 à côté de Saint-Émilion. La ville de Gastre ou Gapre, département 05. Ok, pas de problème. Villeneuve d'Astre, ok, d'accord. Vous voulez toi aussi, tous à retourner. Une trentaine de watts, peut-être une marée qui a bon Santiago 7. Hein. Là, on voit que ça pousse là derrière. Oui, la station pour Rémi. Ah, il y a de la surmodulation, là, c'est pas évident, là. C'est vrai que là, ça arrive de tous les côtés, là, c'est pas évident à te sortir. QSY le 18, ok, c'est parti pour le 18. Alors, pas là-dessus. Si tu m'as là par internet, c'est du 57 là de mon côté. Si tu m'as sur internet, envoie-moi un message perso, quelque chose comme ça, que je puisse te faire ça. Non, je peux pas là, j'ai des conditions assez spéciales. Moi, j'ai pas de gêne à te donner mon adresse et aucun souci, je suis protégé de ce côté-là. Hein. Là, disons que les adresses, moi ça me gêne là-dessus. Je suis pas très chaud. Quoi. C'est comme sur les réseaux sociaux, pareil. Hein. Dès que tu laisses traîner ton adresse, on sait jamais, n'importe qui peut l'attraper. Et, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Quoi. Ok Rémi, bon bah on est tombé. Ouais, voilà. Je t'écoute pour le 19, hein, on retourne à Champagne sur le remercie. Ok, c'est pas que je veux pas, mais il y a des fois faut savoir se préserver, comme dirait l'autre, pour vivre heureux, vivons cachés. Donc donner son adresse comme ça directement sur les ondes, c'est comme mettre son adresse ou son numéro de téléphone sur Facebook par exemple. Quoique sur Facebook, ce serait même pire. Donc là, je préfère être prudent quand même à ce niveau-là, quoi. Ou alors, une adresse email. C'est déjà moins. C'est une adresse email, on va dire dédiée à la radio, quoi. Là, ça craint déjà moins, quoi. Ok, je comprends très bien, mais là pour l'instant, je peux pas. C'est là à travailler. Hein. Ah ben bien sûr qu'elle va durer. De toute façon, là, on est dans le bon sens. Hein. Là, aussi bien sur le cycle de Propag qu'au niveau saison. Ok, ça marche. Je rebascule sur 19. Merci.
Hop, là, j'ai entendu quelqu'un derrière au moment où j'étais en train de basculer sur le 19, les 73-51 stations de Dundee 33. Là, c'est très très QRP là de mon côté, là je j'arrive pas, j'ai du mal à te sortir la station. Alors j'ai entendu 14 kilomètres, j'ai entendu Messenger, ok pas de problème, tu m'envoies ça là sur directement sur Messenger, tu m'envoies un petit message. Là je suis actuellement en même temps en train de faire là, une petite vidéo et que tu pourras voir un petit peu ce que ça donne. C'est assez QRP là, de mon côté. Là tu comprendras pourquoi je te fais répéter quoi. Ah, 14 km, 66, quelque chose. C'est pas grave, je veux pas te faire répéter indéfiniment. Tu m'envoies ça directement sur par Messenger, il n'y a pas de souci. Comme ça, là, on se retrouvera plus facilement, je veux dire. Je saurai mieux qui tu es. Parce que c'est vrai que là, c'est pas évident. Il y a des bruits de propague, là, qui. Il y a d'autres stations qui break derrière. C'est short, là, aujourd'hui. Ouais, là, sur la fin, là, je t'ai perdu, là. Bon, c'est pas grave, je vais te laisser les 73-51, je rebascule là, sur le 19, quand il y a du monde. Donc, tout le monde se retrouve sur le 19, quoique je vais peut-être faire un petit tour de galette avant, comme ça, histoire de voir un petit peu à droite, à gauche, ce qu'il y a. Les 73-14 km, j'ai zappé, et profite bien de la propague, à la prochaine, ou à tout à l'heure, je sais pas. Vous voyez le break, les 73-51 d'Andy 33 du côté de Saint-Émilion. Ah, ça passe plus. Là, ça passe plus là de mon côté. Oui, la station qui a dit les amis de la France, je sais pas, les 73-51 de Dundee 33, QTH, le département 33, à côté de Saint-Émilion. Il y a plusieurs stations qui lancent appel en même temps, c'est vraiment pas évident de mon côté. Les bonnes 73-51 à tous, de la part de Dundee 33, opérateur Rémi. Sur le sud-ouest de France, le département de la Gironde, à côté de Saint-Émilion. Oui, j'ai entendu un Roger Bip là derrière, les 73-51 à la station de la part de Dundee 33, du côté de Saint-Émilion, la Gironde. Alors je vais faire un petit tour de galette et je rebascule après là sur le 19. Ah zut, c'est pas encore bon de ce côté. Ah. Non, c'est du français. Ouais, que... Ça, c'est de l'américain, ça. J'allais répondre dans la déconnade, mais il y a un QSO. Et on était hier soir ensemble. Il y a un mélange de stations françaises et d'américains, je pense, si je me trompe pas.
Alors, pour info, ce canal, là on est sur le canal 6. Aux États-Unis, c'est la cour de récréation là-dessus. Ni plus ni moins comme le canal 5 SUP avec les Italiens. Alors, Manchester. Ah, c'est pas les USA, c'est l'Angleterre. Et on est en AM. Comme quoi on peut faire du TX en AM. Là, qu'est-ce qu'il y a? Ça doit être des kilowatts qui sont là. Ouais, ouais. Les fréquences kilowatts, il y a du monde. Bon, là, c'est une vidéo spéciale AM que je fais. Ok, c'est quoi, je parle. Oui, mais il est ici, là. Voilà. Ouais, ouais. Ah, le Mont Saint-Michel, le Mont Saint-Michel, 73-51 du département 33, d'Andy 33 à côté de Saint-Émilion. Oui, pour la région de Bordeaux, les 73-51 de Dundee 33 à côté de Saint-Émilion. Ouais, j'ai entendu 14 km, après ça a été compliqué là, à vous sortir. Les 73-51 de 14 km, 33-01, Dundee 33, opérateur Rémy, voilà, sur le département de la Gironde à côté de Saint-Émilion. Les RE73, ouais, je t'ai eu tout à l'heure, je crois, je sais même plus. Quoi. Donc ça passe toujours aussi fort de mon côté. Hein. Allez, Montélimar, RE73-51, Dundee 33. Oui, England, 73-51, Dundee 33, 14 km, 33-01, QTH Saint-Émilion. La propague là, c'est lancé un petit peu plus loin, c'est l'Angleterre maintenant qui passe. Hello. Oui, allô French, allô England. Comment on dit, zut, je sais plus comment. Eh ben non, ben c'est normal que je sais plus. C'est parce que je sais pas tout court parler anglais. Les 73-51, 14 km, 33-01, Dundee 33, Rémy, QTH à côté de Saint-Émilion.
Ouais, le département 02, welcome. Hachi, le 73-51 de Dundee 33, le département de la Gironde, à côté de Saint-Émilion. Ah, ça passe toujours assez aussi fort. Hein. Ok, oui, le département 02, re 73-51, il y a du monde de partout, là. Canal 10 en Fox Mike. Ok, on y va. Et c'est quoi le 10 0,75. Ah, zut. Ok, voilà. Ok, voilà, Canal 10 en Fox Mike, j'y suis. Les 73-51, la station. Ah, c'est plus délicat là de mon côté en Fox Mike. Là, ça passe plus là de mon côté. J'entends d'autres stations à la place, oui, mais là, ça passe plus. Oui, le break. Les bonnes 113. Voilà, c'est là, pour le coup, en passant à FM, c'est beaucoup plus ardu là que ce que c'était en AM. Il y a des jours comme ça où, quand ça veut pas sur un mode. Attention, s'il vous plaît, écoutez le service. Tu peux rappeler ton QTS, s'il te plaît. Ah, ok, je crois que j'ai compris, il y a déjà un QSO. Ok, je vais me décaler. Je vais. Des 73, les stations là, sur le QSO de la part de Dundee 33, 14 km, 33-01. Avec mes excuses, je me sors d'ici. A plus. J'ai cru entendre le Portugal, les 73-51, le Portugal de la part de Dundee 33, 14 km, 33-01, du côté de Saint-Émilion, le département de la Gironde. Oui, attention, Dundee 33. Putain, il m'a fait exploser. J'ai le haut-parleur qui a fait un bond de 2 mètres là au-dessus du poste. Les 73-51, la station de Dundee 33 à côté de Saint-Émilion, le département de la Gironde. Ouais, les 73, la station, voilà. Non, mais c'est bon, j'ai vite sauté là sur le bouton de volume, là pour baisser un peu. Je suis en train de regarder en même temps d'un autre côté. Ok, ouais, c'est bon. C'est bon, ça gère. La fréquence habituelle. Alors, si tu me connais bien, en tant que kilomètre, tu sais où c'est. Il n'y a pas de souci, on passe sur la fréquence de kilomètre. Alors, je te disais, je te mettrai un petit peu sur Facebook, 73. Ok, non, c'est que je répondais à quelqu'un d'autre. Et là, je suis en train de faire une vidéo en même temps, ça va pas être triste. Les 73 de la station, là, au contraire, là, ça passe avec une bonne radio de 5, là, de mon côté, au milieu du fouillis, quoi. Ok, 73 retournés. Je vais aller voir un petit peu là sur la fréquence monitor des kilomètres. Voilà, c'est-à-dire le canal 32 en uniforme Sierra Bravo.
Oui, break les stations pour 14 km 33 01. 14 km 33 01, ici 14 km 709, ton écoute. Ok, et aussi la station qui m'a appelé là derrière, là qui m'est arrivée très QRP là sur le QTH. Les 73-51, l'ensemble des stations là, de 14 km 33 01, opérateur Rémi, en fixe sur le département de la Gironde à côté de Saint-Émilion. Oui, 14 km 33 01, ok, merci pour le report. Zut, pendant, je t'ai tellement bien écouté que du coup j'en ai oublié de regarder à combien tu m'arrivais de mon côté. Hachi trois coups. Eh bien, toi pour aujourd'hui, du côté des 40 canaux, il me manquait justement là ce ton côté. Voilà, juste avant, là j'étais en QSO AM. Et j'ai fait là les, on va dire, les 8 coins de la France. ça arrive de tous les côtés. Je suis actuellement en train de faire une vidéo là en même temps par la même occasion qui va être un peu longue, je pense. Je crois que ce soir, je vais pas être là sur, à 18h là sur la fréquence là ici sur cette fréquence là, pour le QSO du dimanche soir. Là ça va pas être possible, on peut pas être partout. Vas-y, reviens-moi là que je puisse te faire un report là de mon côté. Spécialement donc dans ta direction, hein, pour la tournée. Non, mais ça passe très bien, là, pour alors Rémi, bien heureux d'avoir, je crois que c'est la première fois là, qu'on a l'occasion de se contacter, là il me semble, je te suis régulièrement, évidemment sur Facebook, mais par radio c'est la première fois, hein, voilà, et donc sur le QTA, ça pleut, il pleut des cornes actuellement là, sur la route d'Awa, à 2 km de la Suisse, hein. Ok, 100% QSL, donc c'est du, ça navigue entre 55 et 57, voilà, c'est dans cette fourchette là, c'est vraiment très bon, d'ailleurs comme tu le verras, là, justement tu auras l'occasion de pouvoir voir ça dans la vidéo, elle ne sera pas mise en ligne ce soir, peut-être dans la nuit, oui je pense. Ouais, ça devrait pouvoir le faire là dans la nuit ou au pire demain. Bon, bref, mais ce qui est sûr, c'est que dans les 5 minutes, ça va pas être possible. Là, ça passe très bien. Bon, très content justement là de voir autant de monde du côté des 40 canaux pour du grand local, on va dire. Hachi trois coups, ça c'est pour la pointe d'humour. Et c'est vrai que j'ai écouté la puyau là en fréquence là, sur les sup, c'est la cacophonie totale, hein. C'est la cour de récréation, c'est tout ce que l'on veut là de tous les côtés. De ce côté, alors que de ce côté-ci des 40 canaux, ben même si ça se surmodule en long, en large, en travers, en diagonale, en verticale, en horizontale, eh ben ça reste quand même plus comment dire, plus convivial. C'est voilà. C'est ça reste plus convivial depuis tout à l'heure là que j'allumais le poste là que je suis sur les 40 canaux, j'ai pas entendu la moindre porteuse ou quoi que ce soit comme c'est le cas sur les supérieurs. Alors je sais pas, chacun en déduit ce qu'il veut. Mais ce qui est sûr c'est que pour ma part, j'aime toute la bande de fréquences, ça c'est clair. Mais quitte à faire un choix, ben je préfère encore être de ce côté-ci. C'est là qu'est-ce qui nous manque. Eh ben non, c'est pas encore l'heure de l'apéro, c'est trop tôt. Hachi. Ah, d'accord avec toi, Rémi, hein. Oui, c'est vrai que des fois la cacophonie, c'est que non, moi je suis souvent là, sur les 40 là. Il y a des bons questions à faire, surtout en FM. Hein. Voilà, la FM, on la boudait là, dans les années 80-90, mais on arrive à faire des questions vraiment intéressantes en FM. Hein. Je pense que vous avez bien remarqué, là, quand il y a beaucoup de monde, la FM, elle facture dessus. Hein. Voilà, donc, Rémi. Bon, bah, écoute, moi, je suis pas trop souvent sur la fréquence. J'ai peut-être un petit peu perdu l'envie, j'ai pris la... Il y a 200 arrière, après une vingtaine d'années d'arrière, mais j'ai encore pas remordu vraiment à la pigeon. Hein. Je pense
recherche, c'est le Canada. J'avais énormément de contacts dans les années 80 avec le Québec, mais bon, j'ai jamais rencontré le Québec. Hein. Je ne sais pas ce qu'il en est depuis le sud-ouest là-bas, si vous avez des ouvertures sur le Canada, là. À toi, Rémi. Ok, merci pour le retour. Eh bien non, pas encore. Là, du côté Canada, là, on n'a rien du tout là en ce moment. Ou alors, je suis pas au bon moment en fréquence, ce qui est aussi possible. Mais bon, vu les messages sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook comme VK ou même sur le forum, la planète Sibi francophone, je ne vois rien pour le moment qui dit qu'il y a des ouvertures là sur le Canada. C'est vrai que ça titille, ça démange. Parce qu'en plus, avec l'accent qu'ils ont, c'est excellent. C'est tout simplement excellent. C'est la cerise sur le gâteau. Hein. Et puis, ils sont pas avares de bagou en plus. Hein. Et de conneries non plus. Ah, chie trois coups, retour. Ah, oui, tout à fait. Hein. Non, j'ai bien connu ça à l'époque, là. 80, 90, là. On avait des super vaisseaux. Hein. Voilà, Rémi, il y a quand même des choses pour ce contacteur en fréquence, là. Parce que merci à toi, enregistrer les breaks derrière, et puis en plus de ça, moi je suis arrivé là comme une mouche sur la merde là sur un QSO qui était déjà là. On a complètement zappé les stations qui sont là pour être que tous les deux. Ça c'est pas top, ça c'est pas QRO. En plus de ça, il y a des breaks derrière, que ce soit francophone comme anglophone. Donc, et pour la motivation, ah là, il n'y a pas de souci, tu peux rester en fréquence, là, pour le coup, pour de longues années. Hein. Déjà, Edin, au niveau saison, ben là, on est dans le bon sens. Donc, une pleine propagation montante. Et sur le cycle solaire, là, allez, en déconnant, je vais dire, on est sur la troisième marche vers le top du top au niveau propagation. Les 73 à toi et 212 cuira. Retour de micro sur toi, puisque tu étais déjà là avant moi pour faire rentrer les autres stations. Oui, les amis qui retournaient, Rémi, moi je dois quitter la fréquence. Alors, excusez-nous les stations là, si on vous a passé par-dessus. Hein, voilà. Okay. Allez, donc merci beaucoup du contact. Allez, merci, à bientôt. Merci et plus, en avant les stations. Oui, ça va, arrête les stations de la station 14 km 3310 ici à Bordeaux. Ok, 14 km 3310, waouh, là c'est encore plus loin là. De 73 de 14 km 3301. Oui, les stations derrière, les 73-51 également de 14 km 3301, QTH, le sud-ouest de France, pas loin de Saint-Émilion. Oui Alain, 100% QSL, Alain de Cambrai, 100% QSL. Eh bien, je crois que tout à l'heure sur le 19 en AM, j'ai eu quelqu'un de Cambrai aussi. Peut-être que, je sais pas, c'est possible. Oui, c'était moi, mais comme c'est difficile avec que tu répondes, alors j'ai chauffé sur le 32, et c'est parfait. Ok, voilà, c'est le principal. Et là, oui, c'est reparti comme hier soir. Je sais pas si hier soir tu étais des nôtres là pour le QSO programmé des kilomètres à 18h30, à 18h, pardon. Mais ce QSO s'est éternisé jusqu'à plus soif. Ou plutôt jusqu'à temps que les OM aient un peu trop soif. Puisque pour ma part, hier j'ai embauché à 20h30, le QSO continuait, hein, alors qu'il avait commencé à 18h. Et puis c'est le cacophonie, il suffit de voir sur Facebook les vidéos d'Isabelle.
et pour voir que à quel point c'était. Là, c'était, il y a une démonstration de force, je veux dire, dans le sens présence des kilomètres sur cette fréquence. C'était hallucinant, hallucinant, hallucinant. Oui, ben justement, Christophe 5908 m'en a parlé, il m'a dit que c'était fou. Donc là, il m'a dit, va sur le 32, tu vas choper ce type. Ça, c'est fait, je suis très content. Merci beaucoup. Ouais, c'est du 55 là de mon côté. Là, je suis en train de comme j'ai dit tout à l'heure, je suis en train de faire une vidéo. Donc, en retour, tu pourras voir ce que ça donne. Et pour hier soir, la vidéo est déjà en ligne. Donc, tu verras, c'est la vidéo avec marqué dessus, bah, comme à chaque fois, là, le QSO là du canal 32 là des kilomètres. Et il y a un point bonus dedans qui se trouve vers la fin de la vidéo, avec justement les deux vidéos d'Isabelle, où là c'est hallucinant, hallucinant, hallucinant. Ah ben c'est pas compliqué, ça ressemblait à ce que font les Italiens sur le canal 5 en sup, mais sans toute la partie déconnade, chambre d'écho et tout ce qui s'ensuit. Et voilà, c'était, mais au niveau monde, c'était à l'identique, un truc hallucinant, quoi. C'est parfait, au moins le Sibi, elle repart, c'est parfait. Je vois que le groupe, ça commence à devenir de plus en plus nombreux, c'est intéressant, hein, c'est parfait. Je voudrais savoir juste pour la drogue, c'est annulé ou c'est reporté ou quoi, c'est bon. Ok, eh bien tiens, c'est l'occasion d'en parler. Donc là, c'est super, c'est génial. Alors, du côté du REF 17, je n'ai pas trouvé d'infos. J'ai envoyé un email, je ne sais pas pourquoi, mais bon, dans l'immédiat, il est resté sans réponse. Mais une chose est sûre, c'est que vu les règles sanitaires qui... parce qu'elles ne seront pas toutes enlevées cet été, hein, comme la distanciation sociale entre chaque personne, comme le port du masque, pour le casse-croûte, ceci, cela, il y a autant de trucs, parce que là, pour le casse-croûte, il y a toujours ce problème de distance entre chaque participant, entre chaque personne. Nous, au niveau du stand, bien souvent, on est 5 ou 6 derrière le stand. Là, on pourrait être plus que 2 au bout du compte. Dernièrement, avec le RCI, à l'occasion d'une réunion, on a décidé de, pour notre part, au niveau du forum La Planète Sibi Francophone, groupe Kilomac, on a décidé de ne pas faire cette année le salon. Parce qu'on a beau tourner ça dans tous les sens, je sais que certains vont pas être contents du tout, mais quand on tourne ça dans tous les sens, on s'aperçoit que, ben, franchement, je vois pas comment on peut faire un salon convivial. C'est tout simplement pas possible. Donc pour nous cette année, c'est annulé, et puis on verra pour l'année prochaine. Mais là, c'est vraiment avec regret de cœur qu'on ne le fait pas cette année. Ok, bah c'est parfait. Non, il vaut mieux qu'on soit plus riche, hein, donc, parce que malheureusement, c'est une seule maladie. Hein. Bah, moi, ça va maintenant, je suis vacciné, donc ça va. Mais enfin, c'est surtout pour le monde, hein, parce qu'il y a beaucoup de monde. Et bon, bah, ce sera. Enregistrer les breaks. L'année prochaine, alors. Ouais, voilà, ouais, parce que on a beau être vacciné, mais on peut être quand même porteur. Et donc contaminer ceux qui ne sont pas vaccinés, ou peut-être vaccinés, mais toujours mais un peu trop faibles. Il y a toujours le pourcentage qui fait qu'on n'est pas sûr à 100% de pouvoir le faire de façon conviviale, et en respectant les règles. Là, c'est vrai que là, c'est vraiment avec regret de cœur. Là, on en a parlé tous ensemble en réunion, comme je disais tout à l'heure. Et puis, non, là, on voit pas comment on pourrait le faire. Certains veulent le faire quand même.
pour s'apercevoir que il y a encore des annulations qui tombent, comme le salon en Allemagne, le gros salon en Allemagne, il a été annulé aussi. Il y a, si on regarde sur le forum, au niveau du calendrier du forum, on s'aperçoit que il y a pas mal d'annulations aussi. C'est vrai que c'est encore compliqué là cette année. C'est 2021 et ni plus ni moins un copier-coller de 2020. Hein. Ok, je pense que tu as dû relâcher le micro, parce que là, la propague a chuté, là, de mon côté. Donc, les 73-51 de Dundee 33, opérateur Rémi, 14 km, 33-01. Et à la prochaine, soit par Internet, hein, ou tout simplement ici en fréquence. Et s'il y a d'autres breaks que je puisse entendre de mon côté, en avant. Oui, le Roger Bip, multi-bip, il n'y a pas de problème, je te copie. Les motions 13-51, 14 km, 33-01, Dundee 33, Rémi. Ok, il est 14 km, 0-04, opérateur 1, le Côte d'Armor. Ok, il y a eu deux stations, les Côtes d'Armor, Sylvain, les Côtes d'Armor, les Bossons 13-51. La station qui est arrivée un petit peu plus faible derrière, les 73-51 également, 14 km, 33-01, du côté de Saint-Émilion, département de la Gironde. Ah, je crois que là, ça a chuté pour tout le monde, là, pour le coup. C'est sauf le QRM qui eux s'accrochent bien au rideau là pour rester solidaire. Ah chi. C'est génial, merci d'avoir poussé un petit peu sur cette fréquence. Ouais, de toute façon, hein, tu sais ce qu'on dit, c'est pas pour rien qu'on recommande à tout le monde un maximum de monde, je veux dire, d'avoir des postes multimodes. Ben voilà, c'est pas pour rien. Quand on aime, ça veut pas le faire, et ben on bascule, ou alors quand on aime, ça ne le fait plus. Parce que à cause de l'éloignement ou ceci ou cela ou comme tout à l'heure, parce que là c'est vrai que c'est arrivé de tous les côtés, on bascule en BLU et puis voilà, on continue sa route comme ça, quoi. Quand je dis sa route, c'est entre guillemets, quoi. Merci. très content aussi de t'avoir en fréquence. La modulation est un petit peu écrasée là de mon côté là. Mais bon, c'est pas grave, hein, j'arrive à te sortir. Bon, j'ai joué un petit peu du clarifieur pour essayer de me faufiler là dans la modulation pour arriver à mieux te sortir. Donc là, ça va, j'ai eu Roger. Il y a une station étrangère là qui vient de briquer la CQRP derrière. Mais bon, désolé, la seule langue que je comprends, c'est le français. Voilà, ok. Trop de propagation, disons que moi, pour ma part, ça ne me dérange pas. Je m'adapte, ouais, tout simplement. Je m'adapte au moment. Il n'y a pas de propague, j'ai fait des tours de galette, ceci, cela. Je trouve toujours quelqu'un quelque part. Quand il n'y a rien, je m'occupe du côté internet, à faire comme là juste avant, j'étais en train de préparer mes partages journaliers là sur les réseaux sociaux.
Et quand la propague est là, ben toi, c'est ben j'y vais au feeling, pareil. Hein. Alors je fais pas comme certains qui jouent qui jouent n'importe quoi, qui restent sur les fréquences d'appel. Et voilà, pour pas faire grand chose au bout du compte, parce que soit ils entendent personne, soit il y a trop de monde. Je navigue partout, voilà tout simplement. Bien souvent, j'attrape plus facilement de QSO en faisant des tours de galette qu'en lançant des appels sur la fréquence d'appel. Et je trouve que c'est beaucoup mieux comme ça, quoi. C'est surtout que les fréquences d'appel, c'est un truc qui est typiquement de la CB, hein. Quand on regarde du côté radioamateur, les fréquences d'appel, ça n'existe pas. Ils lancent appel là où ils sont et ça marche très bien tout pareil. Donc c'est ce que je fais aussi de temps en temps. Hein. Et il m'arrive de m'arrêter sur une fréquence comme ça au hasard. Je lance appel et tout, puis paf, quelqu'un qui passait par là au même moment, et bien attraper l'appel et puis c'est parti quoi. Ah oui, retour. Ok, je t'avais oublié, Gilles. Alors oui, j'ai une explication. C'est que je rentrais pas assez fort. Voilà, j'envoyais pas assez de puissance. C'était juste ça. Puisque t'en parles, ça tombe bien. Ce matin, pendant que c'était très calme, au fait... Ah ben, les Grecales, elle a pris la fuite. J'ai dû lui casser les oreilles une fois de plus. À chaque fois que je suis au micro, je la vois prendre la fuite. Peut-être faudra que je me pose des questions là quand même. Alors oui, alors si je fais comme ça, là voilà, là je suis comme hier soir. Donc là voilà, je remonte un peu, voilà, ok. Là comme ça, là ça passe déjà, non, là ça passe déjà mieux. Toi, je sais pas si t'as eu le temps de sentir un peu la différence. Je suis revenu quelques secondes dans les conditions de d'hier soir pour remonter un peu. Autrement dit, je passe d'un réglage extrême minimum à pousser la puissance à 9h. Et là, apparemment, en mettant à 9h, eh bien, ça, l'écoute est beaucoup plus confortable de ton côté. Et c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai remarqué là sur le WebSDR ce matin. Oui, là c'est vrai que la qualité d'écoute là est meilleure comme ça là quand je rentre un peu plus dedans quoi. C'est curieux parce que ouais. Enfin bon, si ça veut le faire comme ça, ben moi ça me dérange pas. Hein. Oui, t'as vu ça un peu? Les 73 d'autres stations que j'ai entendues là aussi, là en même temps, là, qui vient de qui a passé vite fait, là, son petit message, son appel. pardon. Oui, effectivement, là, c'était vraiment génial. Là, t'as vu, là, ça arrivait de tous les côtés, même de ah merde, l'île tout en haut, là. Oh, bah, ça y est, j'ai zappé. Hein. Au-dessus de la Bretagne, là, le oh, zut. Le Mont Saint-Michel, oui, je crois que c'est ça. Hein. C'est arrivé ouais, de partout. Hein. Oui, j'ai fait deux vidéos, je ne sais pas si tu les as vues, mais c'est sympa, quoi. Et non, pas encore, parce que là, il y a une heure de ça, j'étais en train de commencer de préparer mes programmations de partage journalier. Et en plein milieu, j'ai craqué, j'ai pris le micro. Et du coup, j'ai rien vu encore, mais je regarderai ça tout à l'heure, il n'y a pas de souci. Ou alors ce soir, puisque je repars au pro là, de la soirée, même punition qu'hier soir. Station 73. Ouais,
Bloquer le Mont-Saint-Michel, des 2351, toi. Oui, ben, mais tiens, justement, je n'en parlais un instant, là, avec Gilles, là, qui est à l'est, à l'ouest, pardon, de Libourne, un peu plus loin, à l'ouest, de entre Libourne et Bordeaux, voilà. J'étais justement en train de parler du Mont-Saint-Michel, là, juste avant. Hachis trois coups, c'est pas mal pour vérifier si quelqu'un raconte pas des conneries. Non, ça c'est de la déconnade, c'est de la déconnade. Non, au contraire, c'est les stations du Mont-Saint-Michel, on va dire que c'est l'anecdote qui vient dans un QSO. Parce que c'est complètement improvisé et ça c'est génial. C'est, on pourrait presque croire que tu es en expédition là, de ce côté-là. Quoi. Ok, d'accord, ouais, t'es à côté du Mont-Saint-Michel. D'accord, ça marche. Si j'ai bien compris, parce que ça a baissé un petit peu là d'un coup. Hein. Je fais un retour sur Gilles. Ok, 73 du Mont-Saint-Michel, voilà, de la station Vega, 14 km, 330. Bienvenue. Oui, Vega, hein. Donc ça, 55 de mon côté là. Ok, par contre, je suis en train de regarder un truc, je vais devoir passer QRT, je reviendrai certainement un peu plus tard en fréquence. Donc les 73, 51 à vous tous, et parce que là, je vois, là, je suis en train de j'ai, déjà, j'ai envie d'aller au 318, à Chi, et là, il faut que, je vais terminer mes trucs, là, que je suis en train de faire sur le PC. Donc, c'est avec regret de cœur que là, je vais passer en QRT. Donc, très content de vous avoir. Je reste en stand-by derrière, là, pendant que j'ai avancé là sur ce que j'étais en train de faire. Et à plus tard. Merci pour tous ces QSO, les 73-51, les stations en stand-by derrière, là, sur la fréquence, qui attendent pour entrer sur le QSO, parce qu'on laisse pas beaucoup de blancs. Ah, chier. Merci, à plus tard. Oui, c'est l'opérateur Patrice, 14 Delta Papa 56, opérateur Patrice, voilà, je ne vais pas vous embêter plus longtemps non plus, hein. Moi je vais partir avant de faire un petit tour, et puis je vous ai entendu, je me suis allé, voilà, je vous retrouve les bons amis, et puis je me sens de vous faire un respectif, puis j'espère à l'occasion de vous réentendre, hein. De toute façon, moi je suis souvent... à côté, là, je suis souvent sur le 31 FM. Enfin, je pense que je n'ai pas sur le 31 FM pour ma part. Voilà, je vous félicite et à la prochaine. Ok, Patrice, au plaisir de te rencontrer à l'occasion d'une autre campagne. Bonne soirée, bon fin de dimanche. À 14 Papa Golf 29, Patrick, à votre écoute. Attention les kilomètres, changeur les kilomètres, 114 km, 3310, opérateur Gilles, QTH Saint-Laubest, à 15 km de Bordeaux, à l'écoute.